Et salut tout le monde, alors une petite vidéo cette fois-ci pour monter le pot d'échappement. Donc tu vois, c'est un modèle d'origine. Celui-ci, il est débridé. Donc comme tu as vu dans une de mes vidéos, comment mettre une chicane en sortie directe. Je l'ai coupé, j'ai tout sorti, j'ai tout vidé et je l'ai fait en sortie directe. Donc là ça se voit pas, mais c'est un style Cobra. Cobra qui faisait ça sur leur pot d'échappement au style d'origine. Donc là je vais mettre le pot. Alors déjà je vais desserrer celui-là, je vais me mettre libre, voilà, comme ça quand je mettrai ici j'aurai juste à le régler. Alors les joints, c'est où tu as un joint comme ça en cuivre qui s'écrase, ou tu as celui-ci en plat. Donc j'ai regardé, celui-ci ne rentre pas du tout dans l'échappement, en sortie d'échappement. Je le mets de côté. Donc je vais devoir mettre celui-là. Sachant que ce ne sera pas forcément étanche avec ce style de joint. Donc j'ai préparé mes petites vis. Voilà, avec une petite rondelle pour deux. Et la vis qui vient ici. Donc là je vais mettre ma vis qui est plus longue. Et je la mets comme ça. Donc je peux déjà mettre la vis. Ensuite, j'amène devant. Ma petite vis, et là sur ce modèle de cylindre j'ai un filetage complet sur toute la longueur. Et après tu as l'autre modèle, donc normalement c'est ouvert, tu mets un petit écrou carré comme tu vois sur la photo, ensuite tu mets ta vis, tu visses l'écrou carré, il va empêcher de tourner et c'est ce qui te permet de faire le serrage. Donc là maintenant j'ai serré les deux vis devant, je vais serrer celle de derrière. C'est serré. Et maintenant, celui-ci. Et voilà. Un petit joint tout neuf. Des vis toutes neuves, ici pareil, il est monté et c'est bon. Donc j'aurais dû peut-être mettre un petit coup de peinture noire pour l'embellir un peu, ça m'empêche pas de cacher, et après mettre un petit coup de bombe et ça ira très bien. Voilà, je vous dis à plus.